Le tuna pédiatrique, c'est une méthode qui est extrêmement intéressante pour entretenir la santé ou réguler la santé. C'est une méthode qui est relativement simple. Il y a beaucoup de manœuvres, mais qui sont faciles à réaliser. Et c'est très pratiqué en Chine, à la fois en hôpital et en cabinet. Quand j'ai commencé à m'intéresser à cette méthode, évidemment, je m'y suis intéressé pour traiter des bébés. Et ce qu'on dit normalement en hôpital, c'est que le tuna pédiatrique, c'est idéal entre 28 jours et 3 ans. Donc vraiment pour les tout petits, on va utiliser quasiment que ça, parce que la théorie dit que à cet âge-là, les méridiens ne sont pas complètement façonnés, ne sont pas complètement terminés. Et du coup, ça va être beaucoup plus efficace. Les méthodes de tuna pédiatrique sont souvent des méthodes qui ressembleraient presque à une réflexologie hyper légère. Ça va être de frotter. Beaucoup de méthodes sont sur les doigts, il y en a aussi sur le visage, puis il y en a sur tout le corps, mais beaucoup sont sur les doigts et c'est extrêmement facile à faire et facile aussi à enseigner aux parents, à montrer aux parents. Donc la première idée, c'est ça, c'est d'utiliser le tuna pédiatrique pour les tout petits, sachant que jusqu'à 12 ou 13 ans, on va continuer à l'utiliser, mais en le mixant avec des méthodes de tuna classique ou de chikung tuna. Donc ça, c'est l'utilisation actuelle en hôpital. Et quand j'ai commencé à approfondir, j'ai notamment pris le temps de traduire le livre de référence du tuna pédiatrique qui s'appelle le Tuna Sensiting, ça veut dire le classique du tuna en trois caractères. Et dans cet ouvrage, qui est assez ancien, qui a 300 ans à peu près, j'ai été très étonné de voir que le tuna était conseillé pour tout le monde. Donc, dans cet ouvrage, d'ailleurs, il ne précise pas tuna pédiatrique. C'est classique du tuna en trois caractères. Et les méthodes qui sont enseignées, qui sont présentées, sont conseillées autant pour les adultes que pour les enfants. Et en essayant de comprendre pourquoi aujourd'hui c'est moins utilisé sur les adultes, il m'a semblé que ce sont des méthodes qui sont un peu plus subtiles, alors que des méthodes de tuna classiques, surtout le tuna qui se fait en hôpital en Chine, sont un petit peu plus appuyés et donnent une information un peu plus vigoureuse. Du coup, le tuna pédiatrique pourrait être conseillé pour toutes les personnes qui sont un petit peu affaiblies, pour des personnes âgées ou juste pour des personnes assez sensibles. Et en allant un peu plus loin, je me suis rendu compte que le tuna pédiatrique était vraiment très efficace chez tout le monde, à condition de pratiquer suffisamment. C'est-à-dire que pour des gens qui sont un peu moins sensibles, il faut juste faire les manœuvres un peu plus longtemps. Et ça, c'est aussi mentionné dans le Tuna Sensiting, où il dit juste, voilà, par exemple, pour les enfants, faire 3 fois la manœuvre, et pour les adultes, faire 3 000 fois. Donc 3 000 fois, ça fait un petit moment, mais ça va être, on va dire, 30 minutes ou 40 minutes, c'est pas non plus infaisable. Et le gros avantage de ces manœuvres, c'est que, comme on le disait, elles sont simples. Et du coup, on va pouvoir les conseiller aux parents pour traiter leurs enfants, mais aussi en automassage. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose que je pratique beaucoup en complément du Qigong Tuina, en consultation, de proposer à la personne une méthode de Tuina pédiatrique en automassage. Donc je ne dis pas que c'est pédiatrique, parce que ce n'est pas spécialement pédiatrique. Cette méthode de Tuina là, en automassage. Et souvent, je vais aussi compléter la séance de Qigong Tuina par une méthode de tuna pédiatrique. Parce que c'est simple, parce que c'est hyper efficace, parce que c'est tout doux, donc ça détend énormément. Et quand on fait la bonne chose à la bonne personne, c'est vraiment très efficace. Donc je recommande en fait d'élargir un petit peu le spectre, de ne pas penser tuna pédiatrique uniquement pour les bébés, mais vraiment le penser pour tout le monde. J'ai pas mal d'apprenants dans cette formation qui commencent là à le pratiquer sur les adultes et qui font des recherches et des mémoires, des choses sur ce thème-là. Ça me semble vraiment une direction intéressante pour la pratique. Voilà, donc pour aller plus loin, j'ai écrit un bouquin sur tuna pédiatrique que vous pouvez vous procurer aux éditions Edoya, qui ressemble à ceci, et dans lequel il y a voilà, toutes les méthodes de tuna pédiatrique avec à chaque fois des dessins. Puis il y a aussi l'intégralité du tuna sensiting qui est traduite. Et donc ça, c'est aux éditions Edoya. Et puis sur le site de Kendreka, vous avez aussi une formation qui se fait à distance,
mais avec 2 journées en présentiel optionnelles, 2 journées de pratique, et sinon c'est l'équivalent de 15 journées de formation, mais qui sont à distance, à votre rythme, pour aussi approfondir ces méthodes.